Bonjour mesdames messieurs, ici Boum d'Ingradin en compagnie de Monsieur Gilles proux Monsieur Prou vient tout juste de parler canadien avec les gars du pornographe. Monsieur Prou ça s'est bien passé euh, Pas tellement bien. C'est une émission sexe pas une émission sport. On m'a des coups bas, des coups de six pouces et vraiment tout est en relation avec le sexe là dedans. J'ai trouvé ça vraiment pénible comme expérience. Je pensais d'avoir affaire à des gentlemen. Pas des gentlemen farmers, mais des gentlemen sportifs, puis des jockstraps, puis toutes des maudites histoires entre les deux jambes. Alors, si c'est ça votre grande culture sportive, moi, je commence à en avoir un rat du sport. Il y en a trop de sport, comprenez-vous? On est gazé par le sport. Moi, si j'étais vraiment euh, premier ministre du Québec, je fermerais les portes du Centre Bell puis je te rentrerais des tuyaux à gaz là-dedans pour en finir avec tout le monde. Donc, ils n'ont pas d'avenir dans, dans, dans le milieu radiophonique, les gars du pornographe? Non, certainement. Il faut être cultivé pour travailler. Comment c'est casser dans tous les postes de radio, les gars du sport. Vraiment, ils ont une formation de base, puis eux autres, ils respectent leur langue, et puis ils connaissent la culture, puis ils connaissent le, le recul historique. Alors, euh, j'ai beaucoup plus de respect pour ces grands sportifs-là, tous ces grands analystes que nous avons qui veulent transformer le club d'hockey canadien au congédier ingérant. C'est vraiment fait avec euh, euh, vraiment avec sérénité, ces études-là, puis euh, ils ont raison, les gars. Et qu'est-ce que vous pensez des entrevues de type écho de vestiaire? Écho de vestiaire, malheureusement, les odeurs sont tellement fortes que j'ai pas pu rentrer. Ça me prend un masque à gaz pour entrer dans la chambre. Tellement, justement, les échos de vestiaire faisaient transpirer les sueurs, des joueurs, qui pourtant ne s'étaient pas tellement démenés sur la patinoire. Je parle du club de hockey canadien. J'étais allé dans l'autre équipe du côté des Blackhawks, peut-être que encore les odeurs ont plus fortes. Mais euh, c'est pas facile d'entrer dans ces chambres-là, étant donné les émanations de gaz. Ben, Je vous remercie beaucoup, Monsieur Proulx. C'est moi qui vous remercie. <laughs> vous reviendrez. Ces échos de vestiaire sont une présentation des CHSLD, pas le meilleur au coin. Les CHSLD, pas le meilleur au coin.